Oui, mon ami, Monsieur Kanima, c'est un homme expérimenté. C'est un homme expérimenté, c'est lui qui aurait formé Malonda, Nanga. Ça, ce sont les fruits. Et aussi, Abbé Maloumalou, ça, ce sont les fruits de Monsieur Kadima. C'est quelqu'un qui a une expertise au niveau international. Informez-vous de Kadima. Il est vrai, ça fait polémique aujourd'hui par rapport à sa tendance tribale, les Yoruba qu'on sort. Mais vous oubliez que nous avons une jurisprudence. Quand Joseph Kabila était au pouvoir, c'était toujours les Baswahili. Commencez par lui, Maloumalou, que son âme repose en paix. Il est Mouswahili. Ngoï Moulunda Mouswahili. Nanga Mouswahili. De l'Oriental. Mais c'est seulement Kadima qui pose problème aujourd'hui. Par rapport à son expertise, c'est un monsieur très expérimenté, comme je venais de vous le dire. Et nous espérons avoir abouti aux élections transparentes, apaisées. Et il est vrai, il y a l'opposition, il y a les églises, les deux confessions religieuses qui ne veulent pas marcher dans la même vision avec les six. Mais écoutez mon ami, l'église catholique ne peut pas, ce n'est pas ça la République. L'église catholique ne peut pas arrêter la marche de la République. Nous voulons tous avoir les élections en 2023. Mais regardez, il y a ce qu'on appelle processus électoral. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les jours des élections. Il faut qu'il y ait enrôlement. Il faut qu'il y ait identification du fichier. Il y a tout un processus. Ça ne doit pas se passer en une année, en un seul jour, en un mois. Donc, nous voulons qu'il y ait élection en 2023. Expérience. Expertise Manayake, mouvile mutu alikuwa yuko na experience au niveau international. Sisi tunamkubali sana. Na tunamtumania ke hii election tunafia kuorganize ya 2023 itakuwa apaisée et transparente. Juu ya demokrasia Congo yende mbele. Kwa lakini sisi tunamsoutenir bwana Kadima. Makanisa mengine kama vile Katolika, wengine wamkubali SSC. Congo haiko tu kanisa ya Katolika pana. Congo ni bwingi ya sisi wote. Congo haiko Eglise Katolika. Congo angalia bwana, tuko mu demokrasia. Yenye inaitwa la voix de la majorité. Makanisa sita na makanisa mbili. Tutakubali mbili sita au bien tutakubali mbili? Tutakubali makanisa sita yenye inakuwa na wingi ya watu. C'est pourquoi tu unasema wingi ya watu njo kule Mungu eko nasemea. C'est pourquoi tunamsoutenir bwana Kadima. Atupendi ke election yende tena au-delà ya 2023. Tunapenda election ifanike mu 2023. C'est pourquoi tunaita wakongomani wote wasoutenir bwana Kadima.